Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui on part direction Angers, je suis avec Mathis. D'abord on va commencer par laver la voiture parce qu'on est sur un événement voiture. C'est l'événement de la boiserie pour ceux qui connaissent. Et il fait un événement à l'hippodrome d'Angers avec rencontre abonnés, baptême de voiture. Le but ça va être de discuter, de faire des connaissances, de profiter de cette journée. J'espère vraiment que vous allez kiffer. On est parti, let's go. Les refs, quoi de mieux de commencer une journée par un petit lavage de 328i E36 de 1997. En vrai, le problème, les gars, c'est que il a plu pas mal en Bretagne hier et avant-hier. Bah là, on s'est obligé de faire un petit pré-lavage et un petit lavage. Comment ça? Tu penses que j'aurai la plus belle voiture du Rasso là? Non. Est-ce que tu penses que j'aurai la plus belle BM? Non plus. La plus belle 328i E36? Possiblement, peut-être les seuls d'ailleurs. On dépêche un peu parce qu'on n'a pas trop le temps. Ouais. On a donné rendez-vous aux abonnés dans 5 minutes. Regardez comme il est appliqué. Les loulous, la voiture est nickel. Malheureusement, je n'ai pas de peau de chamois, je n'ai rien, donc ça va sans doute faire quelques traces. Mais le plus important, c'est que la terre est enlevée, les résidus de pluie, tout ça. Donc on est parti. Mathis, t'es prêt? Ouais, pour. L'intérieur, ça va, j'espère que personne ne va trop juger. Il y a encore un peu de train à train. Merde, mais bon. Manque une petite ligne, quoi. Non, les gars, je touche pas, je laisse d'origine. On dirait la tétée. Non, arrête, t'abuses. On dirait la tétée, il a dit. Bon, on se retrouve dans 3 minutes, on va voir s'il y a du monde. En vrai, je sais pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir que moi et Dobby? J'ai donné exprès rendez-vous à un parking du McDo parce que je me dis à 10h du mat à un McDo, il n'y a personne un samedi. Ouais, normalement non. Ouais, j'ai été intelligent, je pense. Parce que j'aurais donné un parking genre Carrefour, Casto et tout, ça aurait été blindé. Du coup, on n'aurait pas ça, su c'est qui et qui est les abos et tout, tu vois ce que je veux dire. Smart mix. Bon, les refs, on arrive là. Est-ce qu'il y a du monde? Oh bordel. Ah oui. Oh, la MT. Wow, il y a de la caisse là. Comment ça va? Ça va et toi, BG? Tu me laisses la main en l'air? Il y a du monde, eh. Ça va les gars? Ça va et toi? Vous venez avec nos motos? Ouais. Trop bien. C'est quoi les motos? 2 GSR et 1R6. 1R6 et 2 GSR? 2 GSR, ouais. Oh là 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 là. Vous allez sans doute aller un peu plus vite, hein. Ça va les gars? Salut, ça va? Tranquillou? Oh, la 406. Oh, le monde. Salut. Ça va bien? Ça va faire un sacré convoi, hein. Ouais. Ça va bien? Oh là là, regarde-moi ça, la 307. Il y a des boiseries partout là. Attends, on va faire un convoi de fou malade. Les feux teintés d'ancienneté. C'est pas les feux teintés d'origine. Tu sens que c'est la vieillesse qui a fait les feux teintés. Par contre, la petite lame carbone sur la 406, j'aime bien. Ouais. Il y a une vraie Camaro là, c'est une Camaro ça? Une Dodge? C'est ça, une belle caisse ça, bordel. C'est pas mal, ouais. C'est une quoi ça? C'est une Dodge. Ah, une Dodge, ça me fait penser à Vin Diesel. Ça non? Je sais pas si c'est une comme ça qu'il a. Mais... ouais, mais c'est stylé. Hein. C'est de quelle année ça? 2014. Ah oui, c'est récent. Elle est magnifique, hein. Golf 6 GTI, c'est ça? Ouais. Il y a de la belle caisse. Le petit boiserie discret. La Mégane de Dob, les gars, que vous connaissez, hein. Le Kekos. Par contre, là, elle est propre. C'est la première fois que je la vois propre. Et après, je bombarde, je vois que je retrouve. Parce que toi, tu dois aller où, toi? Je dois aller chercher Fabien, Fab 1. Ok, donc on fait comment? Bah, au pire, moi, j'y vais là. Ouais. À 10h30, toi, tu pars dans 1 minute, dans 2 minutes, 3 minutes, quoi. Au pire, on fera pas le début, quoi, ensemble, c'est dommage. Bah, viens, on y va, là. On y va. Vas-y, go. Et moi, au pire, je déclare pas, je sors tout seul. On s'en bat les couilles, on va tous à jonzer. On va tous à jonzer. Ça, c'est dit 206, c'est à toi? Ouais. 206 quoi? Silver. T'as un pare-choc énorme à l'avant. Oh là là, ah ouais. Attends, mais on est d'accord que t'as rajouté ça? Il y en a eu pour 4000 euros de prépa. 4000 euros de prépa? C'est plus que le prix de la caisse. T'as un turbo là-dessus? Non. Non, non, pas. Tu penses qu'elle va aller jusqu'à Angers? Ouais. Ouais, à l'aise. Ah ouais, il y a une autre 206. On dirait légende de la Clio. Ah, y a un chasseur dans le coin. C'est pas une RC, c'est quelque chose d'autre. C'est moi. Ah, c'est une 206 16S. Putain, mais tu m'as fait quoi là? C'est échappement libre? Non, elle préparait quoi? Elle préparait trop peine. Ah, y'en a un qui est jaloux. Ah non, mais là, les gars, on est à McDo, on est pas encore à l'hippodrome, les gars. Le McDo, ils doivent se dire, c'est quoi ce bordel? Ça chante! Eh, hey, je suis un chef d'orchestre, les gars! Ah, mais j'avais pas vu la Triomphe! Putain, elle est belle! C'est la nouvelle street 660. Vous voyez ma street que j'avais? Bah, ça, c'est la nouvelle. Ouais, y'a bon, allez à toutes! Non, c'est la plus belle celle-là. Bon bah c'est parti les gars, direction Jonzé chercher le Fab. Et après direction Angers quoi. Est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir autant de monde? Mec, c'est abusé. Bon bah c'est parti les gars, je crois qu'on a un petit convoi là. Là on va être escorté.
Non. C'est un mec du ça, non? Bah, les gens en Mégane 4, tu te dises, qu'est-ce qu'ils font? Mais après, il y a des fans aussi qui n'ont pas forcément des voitures modifiées, préparées ou de fou. Hein. Donc, ils viennent avec leur Clio 4 ou leur Mégane 2, quoi. Et là, on a un sacré convoi. Hein. Putain, t'as vu la fumée qu'il fait, l'autre, avec sa 406? Le gars derrière, avec la bleue, il est dégoûté. On va sans doute se perdre, les gars, mais on se retrouvera à la fin, c'est ce qui compte. Par contre, imagine tout ça qui part de Rennes, imagine autour d'Angers. Ah, ça c'est top, il kiffe sa vie avec sa Mégane RS. Bah alors tu me suis pas? Bah je t'avoue que moi je suis plus tranquille quoi. Ouais. J'aime bien, tu sais, Dobby lui dit ouais, fais attention sur la route. Lui il a dit ouais, t'inquiète, moi je roule tranquille, il y a du monde. Ah bah lui je pense qu'il allait au McDo, bon tant pis, vas-y. Le mec il croit que tout le monde c'est des abos. Ah mec, tu viens que nous. J'ai vraiment l'air d'avoir 50 ans. Mais bref, on se retrouve, direction Janzé. On va chercher le Fab, t'imagines, Fab il va se dire oh bordel, tout ça pour moi. Et après du coup direction Angers, directement pour l'hippodrome quoi. À toutes. Regarde. Oh mon bon. Ciao, ciao, ciao. C'est ciao. Regardez-le lui, regardez-le. Ça c'est vraiment Keke Land, mais c'est ça qui est bien. T'avais trouvé le câble? Ah non, tu l'as pas trouvé. T'as une prise USB dans tout ton truc. Ouais, tu crois quoi, ouais. En vrai, j'ai présenté ma 36, mais j'avais pas refait de vidéo depuis. D'ailleurs, si vous voulez que je vous la représente, n'hésitez pas. J'ai changé l'autoradio pour avoir un autoradio avec le Bluetooth et surtout un port USB. Tout simplement pour pouvoir recharger l'iPhone. Waze, vous connaissez, hein. Ça prend énormément sur la batterie. Si ton téléphone n'est pas branché, t'as vite plus de batterie, quoi. C'est tout. La 206 du Seigneur, je peux vous dire que ça pète, regarde. Il y a un départ des 24 ans, dis-moi alors qu'il est à 70. Ta voiture préférée? Ouais, j'adore. Ta voiture aussi préférée? Tard l'époque quoi. Ah, qu'est-ce qu'on est heureux, putain. Du soleil, des voitures. Bah, y a pas de meuf, mais juste du soleil et des bagnoles et on kiffe. Siège, il était comme as. Les gars, il nous reste 39 minutes de route. On arrive à 11h40, donc juste avant de bouffer, c'est parfait. On arrive pour l'apéro. Il y a la Dodge qui arrive derrière, et là c'est la 206 Quicksilver. Très très tuning, j'adore. Il y a enlevé le logo Peugeot devant. Si, si, Jojo. Vin Diesel. Je suis pas trop véhicule américain, mais quand j'en vois quand même, je trouve ça beau. C'est imposant, c'est charismatique, tu vois. Mais je ne vois pas avec ça. C'est sûr que c'est plus charismatique ce qui va me doubler là maintenant tout de suite, par exemple. Sauf. Si tu mets Samy Nasseri au volant. Le tunnel du Seigneur en mode. Il a fait exprès de nous emmener là-bas parce qu'il y avait un tunnel, je suis sûr. Bon les refs, on vient d'arriver. En vrai, j'ai même pas besoin de suivre le GPS parce qu'il y a tellement de bagnoles qui nous ont rejoints sur la route pour aller à l'hippodrome que j'aurais pu m'en passer. Mais bon, c'était pour être sûr. On arrive dans 2 minutes, on est à 670 mètres. Jojo. Yes. J'adore les réactions en mode ouais, il dit ouais. Putain, il a pas reconnu ma 328. Bordel. On peut se foutre là ou quoi? Bah, je suis à ton avis. Oh, trop bien. On a le droit d'avoir ce privilège. Bien sûr. Aïe aïe aïe. Ça va? Ouais, c'est le bouseux, ouais. Ça va les gars? La bouse. Ça va les gars? Oh, y'a Mathis. Oh, y'a Mathis, j'ai entendu. Hein. Moi aussi, je suis une star. Avec mon beau bolide, tu peux me foutre là? Let's go, la chance que j'ai. C'est la PGW ou quoi là? C'est la PG, je pense. Ouais. Ça va quoi, Mathis? Ça va quoi, le vlog est tranquille? Mec, quand j'ai roulé à côté de 130, toi, j'ai fait la courbe, j'étais pas bien. Qu'est-ce qui branle? Bon les gars, on vient d'arriver, et samedi, il est midi. C'est déjà blindax, ça va les gars? Ça va? C'est blindax Saint-Max. Putain, j'aurais dû prendre la mienne, putain, quel con. Mec, t'aurais tellement dû faire. Ah ouais. Wesh. Les gars, c'est la merde, je pensais pas. Il fait genre, il est mon garde du corps, putain. Ah, c'est celle qui a été gagnée. Ah ouais, c'est celle qui a été gagnée. Ouais. Ah, magnifique. Oh, aïe, aïe. Elle est magnifique. Et la Rocket Bunny, là? Ouais. Elle est bichonnée, hein. Vive le 36, les gars. Je veux dire, ça va être technique. En vrai, la couleur, j'aime bien, parce que ça fait rétro. La couleur, j'aime bien, mais les feux, non. Quand tu fais ça avec ta caisse, c'est que tu t'en bats les couilles. Ouais, tu t'en as rien à foutre. Tu veux une anecdote sur Patis? Ouais. Si, il adorait les armes d'airsoft, il s'entraînait les yeux fermés, à la démonter, à la remonter. Tu étais matrixé. C'est vrai? J'avais 15 ans, j'ai mis 400-500 balles dans une réplique. Tu l'as monté, tu l'as démonté. Voilà. Comme Non. Moi, je faisais la petite foire au village là. On tirait la carabine et à la fin, on allait acheter le plus puissant. Ouais, ouais, et au final, on était deux, on cumulait les deux, on en avait qu'un. On peut acheter des trucs pour laver nos caisses. Ça, je pense que j'irai acheter un petit truc après. Hein. T'as quoi à me proposer là?
T'as pas du anti-moustique? Des moustiquants, tu l'as juste là. Des moustiquants, ok. Non mais je passerai tout à l'heure, mais ok, si t'en as... Ouais, t'es pas. Dès que je partirai, je passerai avant. Pas de problème, pas avec... Bonjour, Bougie. Salut, ça va bien? Ça check? Le boss. Ça va aller. Ça va bien? Et vous? Vous venez d'où? Lorraine, dans le 57. Lorraine! Vous venez de Lorraine pour deux jours, là? Ouais. Vous dormez où? À l'hôtel. À l'hôtel. Ah ouais, bah profitez bien, les gars. Les gars, on est escorté par la BAC. Putain, tu casses les couilles. Oh là là, la piste. Oh la piste, eh. Oh la piste. Tu vas pouvoir sauter. Ouais. Je t'apprendrai à drifter. Tu veux m'apprendre à drifter? Bah quand tu veux. Allez, vas-y. Mais là, ouais. C'est bon, je l'ai, là. Et quand tu seras la maîtriser autant que les femmes, on s'appelle. Ah, vous y la peur. Oh là là. Allez. Allez. Oh là 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 là. Ouais, il est tellement grand. Ok, souplesse. Oh, les gars, on peut m'applaudir. C'est parti. Après, j'ai peur, les gens ils disent on a la grosse tête parce qu'on fait pas de photos. Ah ouais, non, mais faut qu'ils nous mettent un endroit. Bah ouais, là, mais là c'est impossible. Bah ouais, mais tu sais, les parents avec les filles ils se rendent pas compte. Regardez-moi les boss. Ah non, Jojo. Oh non, pas lui. Oh non, putain, il casse les couilles. Oh, on s'est infiltré. Ça va, on a les réussi à passer la sécurité. Oui, oui, oui. Putain, je suis trop content d'être là, mec. Le temps, aussi, il est ça parfait, fait trop les gens sont super cool. Donc là, nous, ce qu'on fait, on fait un peu de photos avec les abonnés là-bas. On a arrêté parce qu'il faut qu'on remette de l'essence et puis les voitures, faut pas qu'elles chauffent. Ouais. Et après, on emmène à tour de rôle des abonnés, on leur fait du circuit. Parce que là, c'est un hippodrome. Ah ouais. Et au milieu, si tu veux, t'as la piste en bitume pour les gars qui filment. Donc du coup, nous, on utilise cette piste-là. Et du coup, les baptêmes, c'est qui peut monter avec? Bah, tous les abonnés, en fait. Les gars de la sécu, ils ramènent des abonnés. Et puis nous, on fait des tours avec tout le monde. C'est trop bien. Puis dans toutes les voitures. La fameuse, putain. La fameuse. Dans la vidéo d'Inox, les gars. Elle est magnifique. Aïe 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 aïe. Bon Fab, je t'emmène faire un baptême. J'ai l'impression que ça va pas être possible. Bon Fab, tu viens? Ouais, bah y'a pas de soucis. Allez, et comment on ouvre? Je sais pas. C'est terrible. T'es sûr c'est à toi mon ref? Ouais, mais j'ai acheté y'a pas longtemps. Ah ok. Mais ça me rappelle. Ah, c'est la ABT. Need for Speed à l'époque. Need for Speed, tu mettais le capot carbone. C'est la ABT celle-là? Ouais. Toi, t'aurais pu mettre ta mégane. Elle rentre large. Regarde ça, c'est le prix de ma voiture. Là, je mets pas un doigt là. Oh, je m'en fous, frère. Je me permets. Ah bah non. Bah non. Le déclic t'as raté. Ça va-t-il toi? Gros tas de merde. Bon, ça va-t-il toi sinon? J'ai vu que t'as mis un petit short Adidas délavé, Fédassé son défait. Ouais, j'essaie d'avoir plus de flow que toi quoi. Ça va être dur aujourd'hui. Tu m'emmènes faire un tour après? Ouais, si tu veux. Dans laquelle? La Golf 4 qui arrive, 1200 chevaux. Putain, c'est la Golf 4 de... Médo. J'espère que t'as mis une Pampers. Hein, parce que là, tu vas pleurer, hein, tu vas voir. Non, mais c'est toi vraiment qui a conduire? Non, t'es fou. Ouais, voilà. 1200 chevaux la Golf. Médo, faut qu'il t'emmène faire un tour, mais il va aller sur route parce que là, il peut pas accélérer. Parce que là, il accélère, il est déjà à Bordeaux. Ce que tu veux dire. C'est compliqué. Et là, c'est pas comme ces gros tas de merde des RS6. C'est laquelle t'as préféré là? Pour rouler sur piste? Rouler là, pour toi, genre là, tu prends la l'Alpine. Ah, tu prends l'Alpine là? Ah, c'est une arme de guerre. Ah, c'est mortel. Non, c'est trop bien le freinage, la boîte, tout. Ah ouais? C'est bien, c'est marrant. C'est pas violent, mais ça roule bien, ouais. Je te m'amènerai faire un tour. J'ai mal aux yeux avec le soleil. À chaque fois que je te vois, j'ai le sourire et je suis heureux, mec. Mais tu vas rouler à l'OEAC en forêt, tu m'appelles pas. Les gens ils sont là en mode ouais, bah vas-y, il doit venir. Mais il vient pas. Il vient pas. Mais je vais venir. Là, vous êtes occupé avec le prochain roulage, dis-moi, je viens. Comme ça, je t'apprendrai. Tu me fais un petit message. Il va m'apprendre parce que je sais pas trop drifter, j'ai du mal encore. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais appris les 3-6 et là j'en ai un beau à te montrer. Ah, ouais. Mais t'as la compacte maintenant? Ouais. Oh, c'est facile. Ça va tout seul. T'as vu, choc là, ça y est, un petit contrebas, c'est reparti. C'est mon Matisse. Bon, ouais, les amis, je crois que je vais devoir vous laisser. Là, t'es mort. Voilà. Par contre, fais pas trop le fou, hein. Parce que si je sors l'Alpine là, va te décaloter. Hein. Il me prend, oh la vache, on est bas là-dedans. Ça va bien se passer. Ou pas? Non. Bah, tu devrais. Oh putain. Oh les sensations! Oh c'est incroyable putain! Je vais vous montrer où ils freinent là dans la ligne droite, c'est incroyable! Oh bordel! Tu montes à combien dans la ligne droite là? 180. 180? Tu regrettes pas? Non, c'est trop bien. Les gars, je pensais pas que c'était physiquement possible ce qui vient de se passer. Mais du coup, t'accélères avec cette J'accélère là. Ok, donc là si j'appuie là, ça accélère. Vas-y. Ok. Et le frein, ça renvoie sur la pédale. Ok. Et les palettes. Que t'as toujours pareil. Okay. Montée, descente. Ok. Bon bah merci beaucoup pour ce petit tour, t'as pris. Ton hémorroïde. Oh, mon hémorroïde, c'est vrai que j'ai un hémorroïde. Et la tenue. Il a tenu, mais j'aurais préféré qu'il s'en aille, tu vois. Oh putain, le freinage, je me dis c'est quand? Rien à voir avec le drift. Hein. Mais quand c'est arrivé là, ça fumait les cailloux. Ah ouais, bordel. Incroyable. Regardez-le le babasse là. Alors? T'as changé ta couche? Bah non, mais je suis habitué moi les gars. Mais c'est quoi ce bordel? Elle touche pas par terre. Ah ouais? La roue touche pas par terre. Et pourquoi elle toucherait pas par terre? C'est quoi la raison? Le châssis est tellement raide que vu que le sol est pas plat, bah hop, il y a une roue qui va se lever. Tu vas où toi? Moi, tu vois, j'ai mon chib là, il... Il a envie de... Il a envie de... On va manger les gars. On va essayer d'aller jusqu'au temps.
C'est le match retour là. Voilà. Voilà. Je me faufile. Oh. Une anguille sous roche. Allez. Est-ce que je peux essayer? Ah, pas trop bien. Du chien! Oh là là là! Putain, il était beau celui-là! Là, les gars, là, j'ai le kiff de fou! T'es ton gros bol! Même le petit que j'avais acheté! Ouais! Mais ici, là, c'est trop bien! Prochain local, il faut du gravillon comme ça! T'inquiète! Prochain local, je vais faire un circuit, il va être magnifique! Les gars, on est sur le parking de l'hippodrome, donc on va pouvoir voir toutes les voitures des gens. Et là, regardez-moi ça! C'est une 7 combien? 730i, elle est totalement posée au sol là. Oh, bête de merde. La voiture elle est posée au sol. Mais là on est d'accord, t'as une télécommande pour poser. Là c'est la télécommande pour gérer. Ah ouais, putain. T'es au max. Ah oui, donc quand tu roules t'es comme ça. Ouais, c'est déjà très bas. Cette voiture là, tu sais, elle me fait penser à quoi? Le transporteur. Hein. C'est la même. Ouais. C'est juste que là c'est une 740. 735. Ouais, 735. Magnifique. Tu lances sur la 38. Non, t'es fou, moi je laisse d'origine. Tu veux voir ta voiture préférée? Mec, là, vas-y, je te filme maintenant. Non, c'est gênant. Vas-y, allez. Je regarde de loin, moi. Mathis qui est fan des locaux. Non, je suis pas fan. J'en ai une, j'aime bien, voilà. Allez, vas-y. Propriétaire, wow. L'a ouvert. Mais tu sais que là, il y a un fan de Sirocco, là. Et là, il est en mode waouh. C'est de l'art. Ouais, fan de Sirocco, de Rocco. Mais porte-papillon, c'est une option. Tuning allemand. Tuning allemand? Ouais, tuning allemand. Une porte-papillon sur une Sirocco, quand même. Ah, je baisse. C'est hyper dur. Je baisse et là je ferme. What? Ah bah oui, bah ok, d'accord. Ouais, je veux que tu me mettes du son là. Mais c'est tout à l'intérieur en fait, c'est même pas. Je veux qu'Arène on nous entende là. Tu fais des réseaux derrière. Tu fais des, carrément des réseaux, mais je crois que c'est vers l'intérieur. L'intérieur. Alors qu'à l'époque ça poussait vers l'extérieur. Ouais, ça poussait à l'extérieur. À l'époque, mec, il y avait des murs. Là tu vas pas m'aller. Allez! Non! En vrai, esthétiquement, elle est belle en vrai. Hein. Par contre, tu vas pas faire les courses. Allez, tu vas pas faire quand tu ouvres les coffres, quand tu vas au drive. Ouais. Pour faire les courses, les gars, bah voilà. Bon. La meuf, elle arrive au drive, elle dit: Bah, qu'est-ce que je fais? C'est vénère, mec, t'as une caisse magnifique, hein. Bien joué à toi. Faut qu'on les règle. Quand tu dors avec une meuf là-dedans et que le problème, c'est que derrière, tout a sauté en fait, tout s'est déréglé. Quand t'as l'amour, ouais. T'es allé comme un bœuf. Du coup, bah maintenant faut régler le caisson. Oh non! Ah bordel! J'espère que c'était bien! C'était pas mal! Dobby, c'est à ton tour là! C'est mes enfants, on peut dire. Attendez, ah, mais on va passer à côté de ça sans en parler. Ah, mais ça, on en parle pas, ça, frère. Ouais, mais là, il a juste acheté le stickers, mais c'est. Non. En plus, là, ça fait bleu, jaune, blanc. Et donc? Ouais. Et du coup, ça fait quoi? Mégane 3 RS là, du coup, mon Dob? Dites-moi que je rêve là! Bordel, il a pas de plaque. Et ça se trouve, il a pas besoin lui, vu qu'il a une belle voiture. C'est une Mégane 2 RS, celle-là. Ça, c'est une Mégane 2 RS, ça? Ouais. Bah pareil, y a pas l'intérieur. Du coup, c'est pas le châssis cup, je crois. Ok. Mégane 2 RS, ouais, c'est vrai. On connaît tous une Nathalie qui a une Mégane 2. Ouais, Nathalie. Mais est-ce qu'on connaît un Benjamin qui a une Mégane 2 RS? L'intérieur, comme il est horrible. Ouais. Ça, c'est les années 2003-2004, non? Ouais, j'aurais dit ça. Ouais. À 35 ou à 45? C'est la bougie family, là, j'ai l'impression. Incroyable. Putain, le derrière, ça fait penser à la bougie TV, là, non? Ah, le derrière, oui, vraiment. En vrai, ça me dérange pas, mais bon, t'es très voyant, quoi. Ouais, à la base, elle est jaune à la base. Ah ouais. À base, jaune, j'aime jaune. Bien aussi. Hein. Elle a le ciel étoilé. Elle a le ciel étoilé. Ouais. Ah ouais. Très belle voiture, mec. C'est gentil. Seigneur Babas, la M5 du Seigneur. Oh la vache! Ah là 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 là, les oreilles! Un concours de burnes là, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux me faire un cours sur la peinture Raptor? Ok, les amis, là on se retrouve sur une petite peinture Raptor. Pourquoi Raptor? Raptor c'était très solide à l'ancienne, hein. Tu te rappelles? Impossible, incassable limite. Donc là, tu mets un coup de clé, c'est la clé qui a mal. Ah ouais, la clé à la mal. La clé est déformée, tu rentres plus chez toi. Peinture Raptor. Ça c'est une peinture Raptor ça! Moi j'ai hésité à faire ça sur Patoche. Ça, c'est Raptor! On va manger ailleurs? Ouais, on va. Et on revient dans une petite heure quoi. Allez. Allez. Oh la chaleur, Seigneur! J'ai l'impression qu'on est au début d'un jeu de zombie. Et tu sais, faut s'échapper. Allez, go! Allez, on te suit! Ah non, je sais pas où rentrer. C'est bizarre parce que nous on t'attend et toi tu nous attends! C'est vrai? Bah non! Bah je l'ai trouvé là! Il est sur le dos. Non, mais il met à Rennes, c'est tête de mort! Bah non, mais il met à Rennes le resto! J'ai l'intuition qu'on est observé. On est bon là? Oh là là! Très timide, hein! Très très timide! Bon, les refs, direction! Ouais, la bouse! Ouais, la bouse! Direction la boucherie pour tout simplement se casser le ventre et on revient juste après. A tout de suite! Tu peux stopper! Bon les refs, on est bien arrivé à la boucherie, non pas chez le boucher, mais bel et bien au restaurant. Je sens que ce que je vais manger, ça va être une boucherie en plus, et puisque je vais chier, ça sera une boucherie aussi. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. On est bien servi à la boucherie, ça fait plaisir. Je suis pas allé à la boucherie depuis au moins 7-8 ans, moi. C'est une peau de vache? Ah, c'est un cuir. Non. Ah, c'est un cuir. Ah, c'est un vrai cuir en plus, mais t'as le même. Ouais, c'est du vrai. La preuve? L'odeur.
Ah, le bâtard, ça fait mal. Bon, les gars, on était parti pour une vidéo voiture, on est à la boucherie. Mais arrête, je vais avoir une marque. Là, j'ai une marque. Bon, Mathis, par contre, toi, le plus difficile, ça va le faire? Je sais pas. Hein. Après, s'il y a un burger, c'est bon. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, il est célibataire. Oui. Ouais. Il en a un comme as. Il connaît bien. Lui. Non, je parle d'un con aussi. Ouais. Les loulous, j'en profite que c'est la pause manger là. Est-ce que vous avez pensé au petit pouce bleu, à l'abonnement, très important, la chaîne de Dob dans le premier commentaire épinglé. Ah oui, d'accord. La chaîne de Fab toujours pas dans la description. Voilà, donc on n'hésite pas. Bon les amis, à notre journée. Et quand vous consommez ça, attention sur la route les amis. C'est gênant. Tu prends la route après vous y quand même. On ira mettre de l'essence avant de repartir là-bas. C'est un chat, frère. C'est un chat. Je vois comme les chats, comme ça en fait plus. C'est pareil avec. Oh putain, ouais, c'est toi, ouais, ouais. C'est toi. 330 grammes, ouais, c'est trois steaks, frère. Mais non, j'ai voulu prendre le grand, mais je pensais qu'il y en avait qu'un. Oh le con. Aïe aïe aïe. On y va, les refs? Ouais. Mec, c'est le moment où t'es claqué là. On va dormir. C'est l'après-manger là. Non. J'ai cru. Oh, je pouvais, hein. Oh oui, bah j'ai ça avec Thibaut. Mais... Oh la dinguerie. Oh la dinguerie là. Ça va être vraiment un peu gênant. Moi, je voulais péter. On n'est pas tout seul, quoi. Comme dirait Gradure. Bon, les refs, on est reparti, hein. Direction l'hippodrome, encore une fois. Oh là là. Jojo. Il n'y a pas de place pour une petite 328 là. Ouais, tu m'enlèves ta merde là. C'est quoi ta voiture tuning? Tu m'enlèves ton truc là. C'est quoi ça? Oh la vache, j'ai pas vu. J'ai pas vu le monde, wesh. Bon les gars, il y a du monde, hein. Oh maman seigneur, il est beau. C'est un vrai, hein. Vas-y, toi. Ça va quoi? Elle est magnifique. Merci. Félicitations. Oh là 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 là. Une 135. Putain, t'as vu les jantes, il a même mis le logo en jaune. Il a refait le logo BM. Voilà, le logo il est tout noir. Oh les jantes. Là ça prend de sec, hein. Là tu te fais un créneau là. Tu limes le trottoir. Même là, regarde le petit gang de Mitsu. Ah ouais, putain, taxi 2. On est dans taxi 2 ou quoi? Magnifique. Ils ont pas la voiture. Vas-y. C'est une Evo 6. Evo 8. 8. Ah ouais, bordel. Avec pare-choc Evo 9, aileron Evo 9. Ah ouais. Tiens, vas-y. Elle est neuve dans le papier. Exactement. Putain, ouais. Elle est de quelle année? C'est une 2004. Ah ouais, c'est vraiment, mais c'est nickel, quoi. C'est neuf dans le papier. Vous dites, tu veux tomber enceinte, même? Le cuir, il est neuf, hein. Ouais. Prends l'aileron, ouais. C'est une table basse. Là, c'est un barbecue. Mec, après, c'est pareil, hein. T'as envie de faire cuire tes saucisses? Là, mec, ça doit être couillant. Ah, ouais, attends. Bah, là, tu fais cuire ta pizza. Tu mets un œuf. Et carbone, ouais, c'est ouais. D'origine. Un bœuf. Ah, ouais. Un michoui. Oh là là, regarde ça. Une trancheuse. Tu veux monter dedans? Oh là là. Vas-y, je regarde. Les gars, on est là pour rencontrer des gens et des bagnoles, hein. Oh, les vitintés, là, on est pas sur du 20% là. 70%. Ah, oui, là, c'est carrément pas légal. Ah, ouais, là, on est sur du tissu. C'est une quoi, ça? Comme voiture? Alors, exactement. C'est une Mitsubishi Lancer Sedan qui est avec un kit. Evo 10, c'est pas une Evo 10, mais c'est le kit. C'est le kit qu'il y a dessus. Elle vient du Japon. Elle vient du Japon, ouais. Elle a fait Japon, Pays-Bas, France. Et au Japon, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent soin de leur caisse. Franchement. Par contre, ouais. Le volant, il est à droite là-bas, non? Ouais, en fait, c'était un E-port, okay. E-port européen. Ah oui, donc c'est bon alors. Tu fais du circuit avec, non? Non. Dans un proprio, oui, mais pas moi. Need for Speed, t'as la petite rêve, quoi. Comment ils sont ces youtubeurs? Bon les gars, les fans de drift, je pense que vous avez tous la ref. La couleur, je suis amoureux. C'est un violet mais qui se voit qu'au soleil. Ah ouais. T'es dans le Los Santos Custom, tu prends couleur métallisée noire, nacré, violette, c'est ça. Ou dans Rocket League aussi. Ouais, Rocket League aussi. Et la plaque, on est d'accord, il y a un problème. En fait, dès qu'il y a un radar, il lève la plaque. Et dans le pot par contre, je peux rentrer deux des points. Oh le point noir. Ouais, là t'es noir. Là, voilà, tu ressors, bref. Ça va, ça va. On peut dire que j'ai fisté une Skyline. Toi, t'es vraiment le touriste. Moi, j'adore. Il a même pas fait péter la benne. J'ai même pas quoi? Il a pas fait péter la benne. Pourquoi? Bien sûr, ça vaut pas ça. Ah ouais, non, ouais. Ça j'aime bien. Un quart d'heure après, mec. Ah ouais, vraiment. Il a fait, hey, mais c'est qui lui là? Il casse les choses. Du coup, t'inquiète, t'es pas obligé de flouter les images. Non, mais t'inquiète, je flouterai pas. Ah, non, mais floute, hein, parce que la vidéo va. Ta gueule, elle est un peu déjà floue déjà. Ah, vous. Oh, j'adore. Je rigole. Attends, t'as la vodka depuis tout à l'heure, toi. C'est du jus d'orange. C'est du multifruit, en mode. Du multifruit. On boit de l'alcool pour économiser l'eau. Je viens de regarder la vidéo du monteur. Les gars, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération. Faites gaffe à vous. Regardez-moi cette petite bombe là. M3 F80, ça, hein. Petite sortie Rémus, diffuseur carbone. Oh, la couleur, elle est belle. Couleur caméléon. On est c'est stylé, hein. Eh, c'est une shiny. C'est une quoi? Shiny. Mais regarde. Ah, mais attends, mais quoi? Ah, ouais, quoi? Ah, ouais, non, il est énervé en vrai. Ah, mais c'est une polo, ouais. En vrai, le covering, il est stylé, hein. Tu l'as vu celui-là ou pas? Ce covering là. Ce covering du fond énorme.
crépite, hein. Ça crépite, c'est la tienne. Elle est magnifique. Ouais, c'est la mienne. Vous êtes de quelle année? 2013. Ouais, belle. Une originalité automobile. Bon, j'espère vraiment qu'elle est magnifique. Je pense que t'en as jamais vu. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Honda Civic. Honda CRX Del Sol. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Année 93, et ça fait 125 chevaux. Petit moteur VTEC. Putain, elle est plus vieille que moi, la caisse. Là, t'es dans ma pièce. Ah ouais, là, t'es dans un canapé. 0 à 100 en combien de minutes? Trois quarts d'heure. Bah merci mec, cette présentation. Ouais. Est-ce que là ce serait pas le coin des motards? Tous ceux qui sont motivés à venir en bécane alors qu'il fait 60 degrés. Maman, c'est beau ça. Oh là là, la 09 SP, elle est magnifique. Ça c'est peut-être ma prochaine moto les gars. SP c'est quoi, c'est une suspension SP genre ou c'est... C'est avec les suspensions Hollins. Ah c'est pas mal ça du coup. Ouais, c'est mieux. Putain, guettez-moi cette bande de peur là. Ah c'est loin de la mienne hein, bordel de merde. Ouais le bouseux. Ouais, hop. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Tu te fous de ma gueule? T'es en train de faire une chicha comme ça? Les gars, Marc Marquez est ici. Ça va? Ouais, ça va. Elle est belle, hein? C'est de quelle année ça? 2013. Alors, t'es venu avec un billet comme ça? Ah ouais, t'en bats les couilles toi. Sur le bras aussi en arrière? T'as tout un truc en carbone, frère. Ah ouais, c'est en carbone. Tout est optimisé pour la perf, non? Ouais. Ouais. Les gars, on est là pour régaler les voitures comme les motards. Oh, y'a une chicane. Je te l'éteins, regarde, hop. Putain, je suis trop fort. Bon bah mec, profite bien, bon après-midi. Juste montrer cette petite 90 les gars, parce qu'elle est juste magnifique. Ça, c'est ma future moto dans 5-10 ans. Je suis une salope si je l'ai pas dans 5-10 ans. C'est long de fou. Ouais, c'est assez long, ouais. Mais c'est beau, non? C'est joli, ouais. Ça fait qu'à faire un champ, mais c'est beau. Ouais, voilà. Que ça gaze. Ça gaze fort. Oh, j'ai tendu l'herbe. Je suis jaloux, là. Ah ouais, vous faites des baptêmes à tout le monde, là? Ouais, tout le monde. Là, on t'emmène. On y va? Allez. Vas-y. Vous faites jusqu'à quelle heure? Ah oui. Non mais t'es monté avec spin, ouais. Avec moi, ça va être mieux là. Oh bordel. Oh là là, le gaz. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Oh putain de merde. Oh l'enfer. Oh la salope. Oh. Je parle de la voiture. Genre la voiture. Ça colle. Ça colle au fond. Jean. Je... Bah, incroyable. Non, tu merci les filles. C'est conduire, Romain. Un tour alors. Non. Allez, vas-y, tour. On va derrière. Juste le tour d'après. Non, au pire, elles viennent. Juste... Oh, au pire, ouais. Au pire, il est proche sinon. Attends, il est où le frein à main là? Laisse le bijou au fond. Vous y faut que tu régales les gens. Putain, et les gars, attendez. Oh, le volant, incroyable. Vas-y, je peux. Vas-y, à fond. Vas-y. Attends, t'as dit quoi? Putain, vous y va. Putain, ça bombarde, hein. Ah ouais, mon pote. Oh, ouais. Oh la vache. Babas, il va m'emmener en enfer dans un je sais pas quoi. Faut s'attacher, non? Ouais. Juste avant, je fais kiffer des abos en les emmenant conduire. Et là, je suis parti. Oh, bordel. Oh, bâtard. On va se retourner. Mais il est dans ta gueule. Avoir des sensations, hein. Alors c'était bien ou quoi? Ouais, c'était coloré, hein. Avec la Mégane. Ouais, c'est drôle. Il est reparti là? Il est avec qui? Là, il est avec Mathis. Mais mec, le RS6 il t'arrache le cul, hein. Ah ouais. Il te colle au fond, frère. Ah ouais. Il te lâche pas. Bah, c'est pas pareil que la Mégane. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Donc là, les refs, j'ai fait 4-5 tours avec les abonnés dans le RS6, mais ça filmait pas. Bah, vous en avez vu qu'un. Là, il y a Dobby qui est parti avec Mathis, avec la Mégane RS sur le circuit pour se faire plaisir. Là, je suis avec mon MP, quoi. On est carrément là, les gars. Le petit coup, t'es en mode t'es mon pote. Allez, c'est mon pote. C'était bien? Ouais, c'était cool. Ok, bah j'y vais. Aïe 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 aïe. Chaud. C'est parti pour kiffer en Mégane RS. Oh là 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 là. Ma casquette. Non. Chaud la casquette. Quelle journée quand même. Mec, mais t'as que là je prends mon pied du coup. Ouais. C'est là que tu vois l'intérêt du harnais quand t'es passager aussi. Ouais. Bon, Sarah, t'es prête à nous régaler là? Je crois que j'ai pas le choix là. De ce que tu m'as dit, t'as vraiment pas beaucoup d'espace. Eh, toi, c'est bien, t'es motard parce que la plupart des gens, tu vois, ouais. Ils se rendent pas compte. Ouais. Mais toi, peut-être que tu sais. Ouais, je me rends compte qu'un demi-tour, je l'ai au permis, je suis même tombé. Enfin, pas au permis, mais pendant les épreuves de. Voilà. Là, le demi-tour, c'est dans les graviers en fait. Là, parce que la route est pas assez large pour faire demi-tour. Okay. Non, t'es pas en S1000. Non, 636. Ouais, 636. Je suis plus petit. Ah, je suis pas trop sportif moi. Oh la vache. Vas-y, bouge vite. Comment ça va? Oh, ça va toi? T'as ramené le monstre, exactement. Putain, Médo le boss. Elle est magnifique. Quand j'étais venu, elle était
rentrer sur le pont. Ah ouais. T'es en train d'être finir de préparer. Prêt à plus rien d'une moto. Ah oui, la moto là, c'est la moto de Sarah les gars. 636. Tout c'est ça. Un Ninja 636 de base. C'est ça, c'est vert, c'est le truc vert là. Oui. Mais là maintenant c'est comme ça. Là c'est un roadster là maintenant. Avec l'Arnold Smith, c'est même un gros supermote. Et pourquoi prendre une Ninja? C'est parce que c'est le meilleur. Parce que le comportement du moteur il est incroyable. Les pièces surtout pour le stunt, c'est on a archi de recul sur la moto et on sait que c'est trop bien. Régale-nous. Chaud. Ça chauffe là. Ah, elle fait chauffer le pneu. Hop, devant l'interphone. Allez, devant l'interphone. Le chauffeur de salle. Là, il y a des traces de pneus dans le fond du garçon. Oh là là. Allez, attends. Non, non. Attends, monde de si petit. Mathis, on peut prendre une photo? J'arrive, mon ref. Il est où le bouseux? Yannichou? Il prend pas de photo. Yannichou? Ouais, il est là-bas. Non, voilà. Le bouseux, on peut prendre une photo? Non. C'est bien ça de se mettre là, c'est les sorties. Bouseux. Lulu, chouchoucho, merci beaucoup, c'était trop bien. On est sur un pot, oh la glace. On est sur un pot, glace, waouh. Vanille fraise. On va y aller nous, merci beaucoup merci pour l'event. L'accueil merci d'être venu. C'était top. On s'est régalé. Bon, cool. Ceux qui veulent venir, c'est combien de fois par mois par bon, on a fait 4-5, 5-6 par mois. Ouais. Par mois. Par an. 5-6 par mois, toutes les semaines. Tous les week-ends. Il y en a même allez, deux c'est par parti, tous les week-ends. Ah. Non, mais ouais. Moi, en général, on fait une tous les 2-3 mois. Si t'aimes les caisses, les motos, c'est trop bien. Ouais, faut venir. Et le bouseux. Voilà. C'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit en plus. Ouais, c'est gratuit. Par contre, après, ça t'empêche pas d'acheter un petit t-shirt, quoi. Ouais, voilà. Vous voulez payer les salariés? Ou la petite casquette? Petite casquette qui fait plaisir. Ou le démoustiquant. Le démoustiquant. Ou une petite Microsoft ou une petite grillade. Voilà, par contre, ici, c'est que. Enfin, non, il est pas ici, mais normalement, c'est galette saucisse. Bah ouais, non, mais là, t'en es où déjà? Tu viendras à Rennes, moi, j'ai une galette saucisse. Mais on est arrangé, là, mon chef. Ah ouais, il y a déjà moins de caisses, là. Les gars, ça se vide petit à petit. Il est presque 18h. On va reprendre le bolide. Oh la vache, la chaleur! Oh là là! L'excès du oh là là! Bon les meufs, je crois qu'il est temps de partir, de quitter l'événement. On s'est vraiment éclaté, mais là je pense que demain je suis rouge. Mais là on va perdre 7 litres d'eau. Là, là on a perdu 7 litres d'eau et on a gagné en. En rien du tout! Putain, on a rien gagné du tout! En endurance de chaleur? Oh, il y a quand même beaucoup moins de caisses, mais il y en a quand même. Ah ouais, mais frère, maman, ça fait ma 18h je crois. Ah c'est pas une TDS. C'est pas une TDS. Putain, tout le monde croit que j'ai une TDS. Ouais, c'est là. Vrai. Hein. Attends, mais moi c'est une SS. Mais est-ce que Lulu papa se met ça dans la tête de tout le monde? Allez, gars. Parce que là en fait, il y en a, il m'a dit ouais, tu fais un convoi pour le retour. Je lui ai dit non. Non, mais oui, avec toi si tu veux, mais ah mais ils sont en X machin. Ah ouais, il est propre hein. Oh, il a pris le X des dingues. Ah, il a pris le X de papa. Ah, c'est le tien ça? Non, c'est à mon père. Ah, on l'avait call. Ça va? Ça va les gars? Vas-y, go, tu prends la photo vite fait là. Vas-y, vite fait. T'es pas bousé? Juste c'est moyen. Allez les gars, passez une bonne soirée. Des fois c'est malaise parce qu'ils répondent pas et tout. Bah ouais. C'est avec celle-là que une autre qui avait fait une photo. Mais ça c'est que je suis fan hein. Très très beau. Ouais, ça c'est vraiment beau. C'était la petite dernière voiture de fou. 148 chevaux. Putain, ça c'est beau hein. Oh, là, c'est une E28 ça. Ouais c'est ça. Elle est belle hein. Les refs, 1h23 de route. On arrive à 19h02 au local. Ah bah non, faut aller chez toi avant. Ouais. Je pense que je vais te déposer genre vers Rennes. Non. Non, mon ref. Vraiment pas. À toutes. Les refs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas d'outro. On est bien rentré, là, on est bien arrivé. On est très bien arrivé depuis déjà 4-5 jours. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. La petite cloche. La petite cloche, elle fera super plaisir. Là, je suis en train de vous tourner un autre vlog, ça va arriver très vite aussi. Ciao les refs.